Bonjour à tous et à toutes, ici Lumi13. Et regardez, ça bug, il y a un souci avec l'épée. Aujourd'hui, nous allons faire la suite de cette version-là. Donc, vous inquiétez pas, j'ai en hors-cam, j'ai récupéré des objets, j'ai pas triché, vous verrez bien, je vous montrerai pourquoi et pour comment. J'ai un peu avancé. Et voilà, je ferai ça aussi dorénavant pour éviter de faire les passages redondants. Enfin, voilà quoi. Simplement. Regardez-moi ça. J'ai de retour ce qu'il faut. Donc j'ai une preuve, je ne suis pas gavé. J'ai bien fait dans la norme de la chose. D'ailleurs, je peux vous prouver. Hein. J'ai miné. Regardez. Donc voilà, j'ai toujours été honnête sur ça. Donc voilà, voilà. Donc ici, nous nous retrouvons pour Minecraft.jar. Donc nous allons un peu parler de tout et de rien. Donc tout simplement j'ai acheté un nouveau micro comme vous l'avez vu. Donc je ne sais pas si vous allez le voir correctement dans la caméra. Je vais vous le montrer. Ah, je ne sais pas si vous voyez correctement. Je vais mettre un peu plus haut. Un peu plus bas. Voilà, voilà. Donc c'est mon nouveau micro pour mes nouveaux let's play. Et sincèrement, il fonctionne très bien. Il fonctionne très bien. Donc voilà, nous allons continuer nos aventures. Notre aventure, tout simplement. Donc je tenais à dire merci pour les 82 abonnés. Donc pour ceux qui ont décidé de me suivre, sincèrement, c'est cool. Ma chaîne, elle fonctionne bien. Parce que j'étais qu'à 70 il y a un moment, maintenant je suis à 80. Donc c'est bien, ça s'en remonte. Ça s'en remonte. Donc n'hésitez pas à partager mon contenu, etc. Sincèrement, ce serait adorable de votre part de parler de moi en tant que youtubeur qui débute. Ce serait vraiment super adorable de votre part. Donc maintenant, nous allons tout simplement continuer notre aventure sur Minecraft. Donc je ne sais pas combien de temps je vais rester. J'ai pas mis mon chronomètre. D'ailleurs, je vais peut-être en mettre un parce que sinon je vais durer trop longtemps. Ça ne va pas, donc voilà, c'est pour éviter de durer trop longtemps sur le chronomètre, m'aidera à pas traîner, surtout que mon frère va aussi dormir, donc il est 20h, donc je reste avec vous pendant 20 minutes, donc ça va sonner. Ah bah attends, il est déjà 20h50, donc ça ne va pas. Ah merde. Pas 21h. 21h. Voilà. Il sonnera que vers 21h10. Ah, désolé, je vérifie des trucs. 21h10. Donc à 21h10, j'arrête. Donc ça fera 20 minutes. Et il faut voir si j'ai aussi le temps de continuer. Parce que si mon frère arrive pour aller dormir, je devrais arrêter. J'en suis désolé. J'avais déjà commencé un let's play. C'est ma deuxième prise. Mais j'ai eu des soucis avec la caméra. Comme vous voyez, on avance bien. Hein. Donc on va aller récolter un peu plus de... Ah mais non, ici, il y en a. Non, j'allais dire, on va en récolter plus, mais... J'en ai en fait. Donc on avance bien, hein, vous voyez bien. Et je risquerais peut-être de pas avoir le genre de lag que Duff et truc, comment il s'appelle, c'est plus leur nom, NT et Trucon and Starvitcher, ils ont eu des lags apparemment, souvent ils se pètent la tronche, peut-être parce qu'ils étaient sur un serveur ensemble, mais comme moi je suis tout seul et je fais du solo, il y a peut-être moins de chances que j'ai ce genre de soucis, donc c'est déjà un truc qui est bien.
Regardez, c'est déjà cool parce qu'on est déjà mieux sécurisé maintenant. Voilà. C'est génial, regardez. On va pouvoir faire sortir les champignons. Bon, pas tout de suite, mais bientôt. On va peut-être pouvoir sécuriser un peu plus cette zone-ci parce que je trouve qu'elle est un peu étanche. Je sais pas si on c'est l'inverse, étanche ou étroite. Enfin, voilà quoi. On va aller récupérer plus de cobblestone puisque c'est cette cobblestone, je rappelle, est faite pour ça. Hein. C'est le but que vous récupérez cette cobble pour aller faire de la construction. Comme on dit, c'est bien dans Minecraft qu'on peut faire ça parce que dans la vraie vie, vous pourrez pas vous poser un bloc de terre ou quoi contre le vide et c'est le truc qui se casse la gueule quoi. Donc c'est bien Minecraft quoi. Ah là, Minecraft, c'est le secret de Minecraft quoi. La gravité n'existe pas chez Minecraft, enfin en tout cas sur certains objets. Il n'y a que le sable et l'eau et la lave. Et c'est tout, je crois. Et le gravier, les quatre composants là, il me semble, s'il y en a un autre, rappelez-moi dans les commentaires, qui sont imprégnés de gravité, mais sinon le reste, c'est complètement cheaté. Vous pouvez carrément... voilà quoi. On va faire casser. Donc moi j'entends aussi le bruit, mais je l'entends de loin. Parce que avec le... J'aime pas avoir le casque sur les oreilles en fait parce que ça m'empêche de m'exprimer, je m'entends moins, enfin, c'est gênant quoi. Voilà, on continue. Oh là là, donc vous voyez, comme vous le voyez, on est en train de sécuriser bien la zone. C'est pour avoir un passage plus grand en fait, parce que sinon c'est trop petit et ça peut être gênant. Voilà, là c'est un peu plus moins étroit, c'est un peu moins dangereux en fait. Du fait qu'on a un villageois là-bas. Voilà. C'est un peu moins dangereux maintenant, cette zone. Bon, les arbres, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent, enfin ce qu'ils font. Parce que depuis le temps, ils auraient dû pousser, quoi. Parce qu'il me faut plus, je rappelle, le bois et tout ça sont vraiment des objets nécessaires pour pouvoir continuer dans l'aventure. Parce que voilà. Et ici c'est bien parce que vous voyez ici j'ai un objectif, c'est d'atteindre tous les trucs et c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs je voulais annoncer aussi en parlant de ça, je vais arrêter Webé, donc la saison Webé parce que sincèrement ça m'ennuie. J'ai pas d'idée, je ne sais pas quoi faire et c'est du survival, c'est pas mon style en fait, c'est pas mon truc de faire du simple survival. Et encore si ce serait avec quelqu'un ça serait différent, mais ici comme je suis tout seul, ça m'intéresse pas trop de faire du survival comme ça. Donc voilà, je vous le dis, j'arrête Webé et on va continuer l'aventure bien sûr sur cette carte-ci, donc Minecraft.jar. C'est pour ça que j'ai cité Nuititeuf et Unstorbitcher, des gens que je suis en tant que youtubeur. Même si souvent il y a certains propos que j'aime pas qu'ils font, mais bon ça c'est tout avec voilà quoi. Me comprends et je préfère pas en parler, mais voilà, ils sont sinon ils sont quand même sympas, ils sont quand même sympas comme youtubeurs, mais voilà, des fois ils déconnent un peu trop sur certains sujets et ça ne fait c'est pas très sympa pour certaines personnes, mais voilà, peut-être ceux vont comprendre de quoi je parle, voilà, mais bon, disons qu'ils abusent trop de la blague. En bref, après, si vous savez pas de quoi je parle. En fait, je parle de l'histoire de Sekpa, quand ils n'arrêtaient pas de maindrir ceux qui étaient handicapés. Je trouve pas ça sympa. Voilà, c'est ça.
Comme ça, vous le savez. Ou, ils, en fait, au pire, s'ils déconnent une fois, c'est bon, même si c'est quand même pas sympa, mais ici, ils arrêtaient pas de remettre ça sur le pont dans les épisodes, et qui dis-je qu'ils n'ont pas continué à, ils ont pas continué avec ça? Parce que ici, je ne les suis plus, parce que leur épisode est hyper énorme. J'ai arrêté à 29 ou 30. Ils sont dans les 40 ou les 60, enfin je sais plus combien d'épisodes ils font sur Minecraft.jar, mais c'est abusé quoi. Enfin ils peuvent, hein, mais je veux dire en nombre c'est abusé, je veux plus suivre. C'est ça que je veux dire. C'est que je ne veux plus suivre, c'est trop. Ils font trop d'épisodes. Donc voilà. Mais sinon après ils ont droit, hein. C'est pas ça que je dis, mais je veux dire pour moi c'est trop quoi, je peux plus. Ah, je peux plus suivre. Je ne peux plus suivre. Tout simplement. Voilà. Alors, je vais faire aussi peut-être des vidéos des balles. Donc, des vidéos où je déballe des choses. Et alors, je vous montre un peu ce que j'ai acheté. Bon, par contre, je ne sais pas comment je vais m'y prendre parce que j'aimerais bien utiliser mon micro pour ça. Donc je vais voir sur mon Windows Phone si ça fonctionne ce micro avec le casque. Si ça fonctionne avec le casque, le micro et le casque fonctionnent sur mon Windows Phone, ce sera nickel. Je pourrais vous faire une vidéo avec mon Windows Phone qui filmera en 1080 pixels, donc 1080 de résolution sur 25 FPS en IRL, c'est largement suffisant, 25 FPS, parce que je rappelle que Electronic Arts fait souvent des vidéos avec 1080p et 25 FPS, donc il va pas me contredire. Donc pour le RL, c'est largement suffisant. On est dans un jeu vidéo et c'est beaucoup plus facile pour le traitement anti-dénoise, donc anti-bruit pour l'image. Donc voilà, anti-parasite, tout ce que vous voulez. Donc voilà, ça aussi j'en ferai parce que j'aimerais bien vous montrer les nouvelles choses que j'ai achetées. Ben, je peux aussi le dire ici, au pire, si au cas où j'oublie ou que j'ai plus envie, en fin de compte, donc je vous le dis quand même, au cas où si j'oublie, surtout, eh ben en fait, j'ai acheté un ondulateur, un nouveau micro, ça vous l'avez vu, et c'est tout. Voilà, c'est tout. Enfin, je crois. Oui, un truc de câble USB pour ma. Mon GSM parce qu'on pouvait... ils m'ont pas donné ça avec mon lumière, donc voilà. Sinon c'est tout, rien acheté d'autre en fait. Il n'y avait même pas besoin de faire de vidéo pour ça. Ouais. Ben au moment même, ah ben si, puisque j'ai fait des achats sur le Play Store et tout, donc du coup j'ai Final Fantasy VII sur ma PS Vita par exemple. C'est un jeu que j'aime bien. J'ai acheté les versions fake de Minecraft sur déjà j'ai acheté la... j'ai la ver... en fait je vous explique, j'ai la version, j'ai en fait je collectionne plus ou moins toutes les versions de Minecraft qui a une composante ambiance, comme on dit, de shaders, ou tout simplement version un peu shaderific, ou de cubique, qui ressemble à Minecraft et qui sont pas mal, qui sont intéressants et qui sont bien foutus. Donc si vous voulez, sur mon Windows Phone, j'ai la version de Minecraft officielle Pocket Edition, qui a coûté 7 € si je me trompe pas. Je l'ai, et j'ai Minecraft Discovery. Avec celui-là, c'est un bon Minecraft. Sincèrement, il est génial aussi, mais il manque beaucoup d'objets. Des je sais pas, des cadres, par exemple, pour pouvoir les poser sur le côté pour faire des allez, comment on appelle ça, pour faire des tables et tout, enfin non pas des tables, je sais plus comment on appelle ça, vous savez les fauteuils qu'on fait avec les escaliers et qu'on met des cadres sur le côté, des pancartes et tout, des cadres de décoration là qu'on peut mettre. Ben, il manque ça par exemple pour pouvoir faire plus de décoration approfondie et tout, etc. Et c'est bien dommage, mais sinon en lui-même l'endroit est superbe. Parce qu'il y a les shaders dedans, et sincèrement c'est magnifique. Par contre ça lag quand vous prenez une autre version. D'accord.
C'est bizarre. Mon Minecraft qui fonctionne tout seul. C'était parce qu'il y a un lag, parce que j'ai aucun virus. Et puis il faudrait, là, ce serait vraiment quelqu'un qui attaque mon système. Donc voilà, je pense que ce serait déjà capté par Defender ou quoi. Non, c'est à cause de ce Minecraft qui crache et qui lag. Donc du coup, le truc enregistre peut-être. Ouais, voilà, vous voyez, le temps que moi j'appuie comme ça et que c'est en freeze, et ben ça continue, ça prend en commande et ça avance comme ça, quoi, et ça s'arrête. C'est ça en fait le truc. Donc voilà, c'est vraiment pour vous dire, voilà, c'est ça en fait que j'ai prévu de faire, c'est de tester et jouer sur des jeux sympas comme ça. Donc j'ai Minecraft Discovery, comme je vous ai dit, ces deux-là sont sur mon Windows Phone. J'ai aussi le Minecraft et le Launcher sur ma tablette, où j'ai des shaders aussi, des faux shaders avec les shader packs, qui est vraiment très beau. Shader pack, enfin, vous avez compris. Alors j'ai aussi Minecraft sur 3DS, mais c'est pas un Minecraft, hein, c'est plutôt une version copie de Minecraft. Donc c'est Cube Creator 3D, et l'autre c'est The Magic Hammer. Ils sont tous les deux sympas, sincèrement. Parce que il y a déjà parce qu'il y a dans The Magic Hammer, il y a un effet de shaders, de lumière, qui est vraiment jouissif et assez sympa, je trouve. Et aussi, voilà, ça ressemble à Cube World en fait. Et du coup, ça m'a donné envie d'acheter. Bon, le seul problème, c'est que c'est qu'en anglais. Mais bon, sinon, après, je pense que de toute façon, dans le jeu Cube World, si je m'aurais inscrit, ça aurait été qu'en anglais. Donc voilà, ça change rien en fait. Mais voilà, voilà ce que j'ai acheté ce que je viens d'acheter sur les Play Store en bref, ou le shop eShop de 3DS. Donc ça c'était pour les trucs. Donc on va continuer. Donc on a récupéré 60 de cobble. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus sécurisé en faisant comme ça qu'en faisant autrement. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va encore un peu lier. Ah mais c'est gênant les prises comme ça, hein. Purée. Et il faut surtout pas que j'avance quand j'ai des frises, parce que vous avez vu qu'est-ce que ça fait. Ça prend souvent en commande que j'avance. Du coup, le truc me fait avancer après le freeze, en se disant, voilà, j'ai pris la commande en compte. Je vais continuer à le faire avancer parce qu'il a demandé ça. Et du coup, ben hop, je tombe dans un trou, quoi. Ce serait dommage. Dommage. Ah. Ah, et c'est ce qu'il faut faire comme je fais là, tout un long. Bon, après il y a des risques quand même que ces cons là tombent dans le trou, mais bon voilà. Et d'ailleurs on peut déjà les faire sortir, ça me semble. Je vais peut-être pouvoir faire des... Je sais pas en fait. Pas plutôt ça. Voilà. Merde. Et on va aller chercher vite. On va créer un bol. Et on va pouvoir se faire à manger. Parce que sincèrement, j'ai plus rien. Ça va pas être un bol de fifou. Mais... Ah, mais qu'est-ce que c'est énervant, ces lags. Sincèrement, qui s'occupe de ça, quoi. Sérieux. Ouais, ça devient assez chiant quand même, j'avoue, hein. Parce que là, ça a abusé. Ah ouais, t'es précieuse, toi, parce que qu'est-ce que tu donnes de la nourriture? Moi, je suis une nourriture mise. Qu'est-ce que t'es précieuse? Non.
sont pas dans le trou, hein. Ça, les autres, j'ai ça parce que. D'accord? Tombe pas dans le trou, hein. Miss. On a vraiment besoin de toi pour te nourrir. Puis, en tout cas, tu fous tout tu veux, hein. Ne te casse pas la gueule, quoi. Ça va, c'est des bêtes qui se capent de leur truc, quoi, donc ça va. Et ils sont comiques quand même, n'empêche, leurs yeux, ils sont bizarres. Ah, c'est vrai, leurs yeux sont comiques. Ils sont toutes mignonnes comme ça, avec des yeux non buggés. Ouais, ils louchent pas, du coup, ils sont mignonnes. Enfin, les loucheux sont marrants aussi, hein, ils sont mignons aussi, mais voilà. Ils sont plutôt marrantes qu'autre chose. Voilà. Ouais, non, en fait, ils sont comiques, c'est pas le même. Ils sont pas mignons, ils sont comiques. Ça, c'est mignon, et ça, c'est comique, faut pas confondre. Ça, c'est mignon, ça, c'est comique. La mignonneté, c'est que t'as envie de dire « Oh, coucou mignon !» C'est comme les poufs, quoi. Ne vous inquiétez pas, le timer est réglé. Voilà comment il faut jouer dans cette version-là. Hein. Après, je pense pas que c'est difficile. Hein. J'ai muté mon micro. Enfin, j'espère que j'ai pas démuté. Parce que j'ai un problème de gorge. Enfin, voilà. Oui, parce qu'il y a le bouton mute. Y a le bouton mute hein, qui me permet de muter pour éviter de tomber quoi. De tomber. Pour éviter que je. Comment vous dire? Bah, pour éviter les ennuis, tout simplement. Enfin, pour éviter les oreilles, voilà. Je sais pas qu'est-ce que je raconte. Pour pas faire mal aux oreilles, que vous entendez un. Il pourrait être déjà assez. En fait, c'est quand il m'attaque que je l'arrête comme ça. Bon, ben voilà. Bon, oh, c'était pas mal, on a bien avancé quand même, n'empêche. Et sincèrement, les gens, vous pouvez pas dire qu'on n'a pas avancé, hein. Regardez. Il y a déjà là-bas une vache qui sort. Enfin, les autres vaches ne pourront pas sortir, c'est la seule qui reste libre. Elle va où elle veut, elle est libre. Parce qu'elle a eu de la chance de passer au moment où j'ai pas fait l'issue d'empêcher, quoi. Parce que je croyais qu'il y avait que deux vaches, moi. Mais en fait, il y en avait trois. Donc tant qu'on en a toujours deux, ça va quoi, on prend avec le truc et on aura à manger, en fait on a de la nourriture à l'infini, donc ça c'est classe. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher du pain ou quoi que ce soit, enfin on pourra. Mais. Donc prochain objectif tout simplement, ce sera de lier tout ça. Dès qu'on aura tout lié, on ira là-haut. On ira vers le haut. Et non, on n'ira pas par là. On ira par là encore dans l'autre prochain objectif. Dès qu'on sera là, on ira comme ça vers le haut. Comme ça, vous savez, c'est le prochain objectif qu'on fera dans Minecraft. Donc, je vais tout simplement me placer comme je fais d'habitude. Je vais me faire mieux pour vous montrer que j'ai avancé. J'ai le foot là. Pourquoi au cas où si le screenshot se fait, ben, on voit que je ne suis toujours pas coincé. Mais non seulement non coincé, quoi. Donc je vous dis bye bye, c'était un bon moment de passer avec vous. Donc comme vous voyez, hein, c'est vraiment un souci avec ce truc parce que voilà, il n'y a pas d'animation avec les PN, ne bougent même pas, lol. Assez marrant. Donc je vous dis bye bye, à bientôt, c'était Lumi 13. Et c'était sympa de pouvoir un peu parler. Et comme vous avez compris, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la qualité du micro parce que je pense qu'elle est déjà beaucoup plus meilleure que l'ancienne. Donc l'ancienne, je rappelle, c'était le casque qui avait un son un peu plus étouffant. Celui-là est nettement un peu mieux. Après, c'est pas non plus au point que ce soit extraordinaire à un son à 800 euros, parce que enfin 120 euros ou quoi. Parce que vraiment, je vous dis, les vrais micros qui de qualité comme Prigel, Zelvac, Sifano, tout ce que vous voulez, ces gens-là, ils ont un micro. Qui coûte dans les 200, 150 euros. Donc voilà, ici ce micro-là, je l'ai acheté à 19,99 €. Donc voilà, c'est pas un micro
très puissant, mais je voulais un micro sur pied pour que qui ait quand même une meilleure qualité, et c'est ce que j'ai eu, c'est que ce micro a quand même une nettement meilleure qualité et moins étouffé. Donc je vous dis bye bye et à bientôt, c'était Lumi 13.